Hey, salut à tous, c'est Pouk, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo en compagnie de Dark Maul. Comment vas-tu? La faucheuse. Dark Maul qui met toujours sans plomb à répondre lorsqu'on lui pose une question. Du coup, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept entre guillemets que j'ai pu imaginer, un peu inspiré d'autres youtubeurs aussi, je vais pas vous le mentir, avec une roue. Comme vous voyez ici, on a une roue et quand je ne parle d'une roue, bah je parle pas d'une roue de voiture, je parle d'une roue de la fortune bien sûr. Vous avez pu le voir, on se retrouve ici avec une roue. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette roue? Nous allons tout simplement chacun tirer à l'arc. Ici nous avons des arcs, chacun un arc, et nous allons tirer à l'arc une couleur. Dans chaque couleur, il y a un stuff différent avec un coffre, et selon ce qu'on va gagner, on va devoir affronter un mob dans l'arène que vous voyez ici. Quand je parle de l'arène, je ne parle pas du roi non plus, je parle de l'arène, l'arène pour ce combat. Bref, ok, c'était nul, let's go. Alors, et du coup, on va pouvoir partir. Donc je vais choisir si tu veux être player 1, player 2. Et ici, du coup, on a les petits mobs à affronter, avec ici, j'ai mis un certain nombre par rapport aux mobs à affronter. Le but étant, chaque stuff, un mob. Donc, entre chaque tirage au sort, on va affronter un mob. Et on va, du coup, pouvoir faire ça. Et celui qui a le moins de morts, évidemment. Donc, ça va être la petit bonheur à la chance, parce que je sais notamment qu'il y a du bon stuff comme du mauvais stuff. Il y a du stuff en netherite, il y a du stuff en or. Bon, vous voyez la différence. Et ici, c'est pareil, il y a, sans trop vous spoil, des mobs comme des, par exemple, des piglins. Et à l'inverse, il y a un troll de laine qui est plutôt badass. Donc, alors, je t'avoue que j'ai pas testé, hein. J'ai pas testé rien du tout. J'ai juste construit la roue et j'ai juste mis les stuff. Et encore, bah, je suis pas avantagé parce que bien sûr, on va se dire stop et on va tourner. Et j'ai juste posé les mobs, mais j'ai pas testé. Je sais pas du tout ce que ça donne en termes de mobs. Donc, on va voir. On est parti. Je te laisse prendre le coffre que tu veux. Je suis player 1, du coup. Et du coup, c'est parti. Je te laisse te mettre, enfin, me dire du moins stop. On tourne en partant du bleu comme ça. Hein, tu vois, genre, on tourne comme ça. Et selon où on tire, bah, on avise là où on prend. Je te laisse me dire stop. Du coup, là, je suis en train de tourner depuis tout à l'heure. Blablabla. C'est mieux que je commence en plus. Donc là j'ai tiré où? Dans le jaune? Dans le jaune, ouais. Donc là je vais prendre le stuff jaune. Alors stuff jaune, bon, je veux pas te mentir que là du coup c'est le meilleur stuff. C'est un stuff en netherite. Bon, en plus c'était vraiment du pif, hein. J'ai vraiment tiré au pif, tu verras, j'ai pas triché. Et avec ça j'ai 8 sticks en TNT qu'on peut lancer. Et de la netherite chaque rame, donc je sais pas ce que c'est comme arme. Mais du coup je vais m'équiper tout de suite. Donc voilà, donc je suis pour le round 1 full netherite avec un netherite chakram. Donc je t'avoue c'est ça, je sais pas comment on joue, je sais pas s'il faut taper, je sais pas s'il faut le lancer, j'en sais rien. Et 8 petits sticks de TNT comme ça. Et alors là faut que je tire en sort un mob. Ah ouais. Est-ce que je vais avoir de la chance ou pas? Tu là, même si je suis bien stuff, si je tombe sur un mob de merde, et bah tout simplement ça sera nul, parce que ça sera carrément galère pour nous pour les mobs d'après. On va tirer. Hop, je suis tombé sur des piglins. J'ai 6 piglins à affronter. Ouais. On est parti. Alors, je te laisse partir, t'enlever de l'arène. Salut les gars, comment vous allez? Bon, les piglins, par contre. Oh là! On va tenter une strat, vu que je suis full netherite. Il y a un zombie qui s'est mêlé à la partie. Ouais, il y a des mobs. Alors, on va tenter un truc. En fait, j'aurais bien voulu les rapprocher, les piglins, pour pouvoir. Pourquoi ils m'attaquent plus? Devenu des cochons zombies. Alors, en faisant spawn, du coup. Attends, je vais les attaquer. J'arrive pas à jeter mon objet. Wow! J'ai pété la. L'arène. Ah, c'est. Bon, allez. Wouh! Wouh! Voilà, gagné. Plutôt facile. Hein. Plutôt facile pour le coup. Et on va passer au tour de Dark Maul et on va réparer l'arène accessoirement aussi. Ouais. Bon, alors, j'ai eu beaucoup de chance, vous voyez, je me suis débarrassé de mon stuff, j'ai eu énormément de chance, c'était plutôt facile comme vous avez pu le voir. Alors du coup, ça va être à Dark Maul. Dark Maul, je te laisse tourner, donc je te rappelle du bleu jusqu'au... Bref, je te laisse tourner, hein. À peu près tu tournes dans le sens que tu veux plus ou moins en fait. Ouais. Et tourne, stop. Ok, sillon. Alors qu'est-ce que t'as comme stuff? Est-ce que t'as un bon stuff? Un spoil, c'est pas fou, mais c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas fou. Après j'ai essayé de faire des kits plus ou moins équilibrés, mais c'est vrai qu'il y a des mobs qui sont plutôt OP. Donc ça tout dépend sur quoi tu tombes. Moi j'avais un bon stuff, je suis tombé sur des mobs plutôt faciles. Donc c'est vraiment dommage, parce que du coup on va vraiment être en galère pour certains autres mobs par la suite. Naga.
Naga. Alors ça risque d'être un chouï compliqué dans le sens où les nagas ça vole. J'ai vu ce que c'était, je sais ce que c'est, ça vole et il en faut deux. Ouais, c'est bon. Et du coup ils ont un nom ce que j'ai dit. Allez, bon courage. Bon courage. Mais moi, il peut même pas sortir. Wow. Wow, wow, wow. Est-ce qu'ils font mal ou pas? À peine. Par contre, ils sont bien stylés quand même. J'ai perdu mon copain. Il est là, il est là, il est là, il est là. Et ça va être compliqué, hein. Il faut que je les attaque vraiment quand ils... Après, ça aurait pu être smart de rester derrière les portes, hein. Ouais, mais rester derrière les portes, je pense. C'était bien mieux. Ah les Dark Maul. Ah les Dark Maul. Ah les Dark Maul. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas combien ils ont de vie par contre. Ça, je sais pas. Mais ils m'aiment pas. J'ai des potions de poison. Et eux, ils m'aiment pas. Donc en fait, mes potions. Et comme quoi le hasard fait bien. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Pour l'instant, tu résistes plutôt bien. Attention, il y a un slime qui va peut-être se mêler à la partie. Oh! Le premier, oh. Le premier qui est mort, oh, ok. Oui. Allez, peut-être le deuxième, peut-être le deuxième. Et si tu meurs pas, franchement, t'es chaud. Après, là, il n'en reste plus qu'un. Tu pourrais peut-être essayer de l'affronter encore à corps. Voilà, ouais, mais il est là-bas. Il est parti dans les tribunes, ouais. Il est parti, il arrive, il t'a vu. Oh, l'aggro, par contre, ils ont beaucoup, beaucoup d'aggro parce que. Il est de loin comme ça, là. Allez. Allez. T'enlèves combien de cœurs, là, avec une armure en fer, là? Au moins 3 cœurs. Ah oui. En fait, en 3 coups, il te tue, quoi. Allez, vas-y, utilise son arc, t'as le droit. Oh, il est bloqué, c'est bloqué. Bien joué, Dark Maul, bien joué. Franchement, fort. Bon, j'avoue que c'était un peu OP de rester ici, mais ouais. C'était compliqué. Bah, donc, bien joué, parce que t'as essayé de faire un peu d'arc et de faire un peu de javelot, donc bien joué à toi. Je tourne. Et bah, c'est le bleu. Alors dans le bleu, je crois que c'est pas un bon stuff de mémoire. Oh non. Oh le stuff éclaté. Attention. Ok, Arachnon. Arachnon c'est que par un, je sais pas ce que c'est. On verra bien. On verra bien, je crois que c'est une sorte d'araignée violette, ouais. Ok, je suis prêt, tu peux les faire spawn. Dis-moi-le, faire spawn. Ok ouais, mon ref. Bonjour, comment vas-tu? Alors j'espère qu'il n'y a pas d'arachnophobe sur la vidéo. Ouais, là c'est bon. Oh, ça. Oh, oui, c'est bon. Ah, c'est un boomerang. Ouais, c'est un boomerang en netherite et j'ai aussi ça là en iron. Je sais pas si c'est elle qui ramène ça, mais il y a un j'sais truc pas. Qui a. J'ai vu qu'il y a un truc à spawn, ouais. C'est peut-être elle, hein. Du coup, je dois les laisser. Ah, mais ces trucs-là, je peux pas les frapper en fait. Donc, de toute façon, la base. Parce qu'en fait, le seul moyen de les tuer, c'est de les brûler. Ah ouais? Ouais. Parce que quand j'ai préparé la map, il y en a un qui a spawn et j'ai voulu le tuer et je peux juste les brûler pour les tuer. Après, pour l'instant, il est plutôt naze cette araignée. Bah voilà, c'était facile. Franchement, c'était facile. Heureusement, j'ai eu le stuff éclaté. Bon, dommage parce que du coup, les Golden Apple m'ont pas servi. Mais c'était plutôt facile. Allez, vas-y, tourne. Plus vite. Stop. Vraiment, pour là ça fait 3 tours, on veut que du bleu. Il y a quoi dedans? Ah, un musket. Et j'avais mis une armure avec ça? Je me rappelle plus. Un stuff en fer? Ok, ouais. T'es tombé sûr? Non. Macaro, The Chun Chef. Et du coup, t'as tout ça. T'as 8 mobs à tuer. Ça fait partie des plus durs là en fait. C'était le plus dur qui est resté, normalement. Ouais, on fait jamais. Alors 1. Oh. Oh, c'est par 5 que j'ai mis. J'ai mis par 5 mais en fait du coup il spawn déjà par 5 donc je fais qu'un 9. Ouais. Et là. Oh mais ils sont trop stylés, ils me font passer dans Zelda. Et voilà, et là c'est à ton tour. Tu peux y aller.
tu peux y aller. Oh, ils sont trop stylés, en vrai. Pourquoi il y a une part de boss? What? Il y a un truc de ouf qui se passe derrière toi, là. What? Ils sont en train d'envoyer des sorts. What? Ah, mais je crains. What? J'adore les bruits qu'ils font. Ok, wow. Le boss il a l'air trop chaud. Hein. Bah ça va, par contre, ça va, tu enlèves relativement de la vie assez rapidement. Mais il t'envoie de ces trucs. Wow. Ouais, c'est trop stylé. J'aime trop les petits bonhommes qui te courent après là, ils font. C'est là qu'un boomerang ou un truc comme ça, comme moi j'ai eu, ça aurait pu être sympa en vrai pour tuer le boss. Que vu que le boss il est figé, mais c'est trop trop stylé par contre. Allez, allez, tu peux le faire. What? Wow. Il m'a. What? Il m'a emporté aussi. J'étais en créatif. Funaise. T'es passé où là? Ah t'es là. Ok. Ouais bah ouais, mais tu... en fait, y'a un ulti à la moment. Ah donc une mort pour Dark Maul. What? 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 Il est bad. Oh il est trop badass. Oh il est trop fort. Oh je le kiffe. Allez, allez Dark Maul, je crois quand même en toi. Même si je kiffe Barako là. Barako ma map. Ok non Barako. Non. Non. Allez, allez, allez. Tu l'as presque eu, hein. Il reste un quart de sa vie. Non. Ah, t'es mort. Deux morts pour Dark Maul. Et il régène, il est en train de régénérer, il régène d'abord. En fait. Heureusement que t'avais des pommes en or. Putain, hein. Il a cassé ton casque. Oh, t'as sa tête. What? What? Allez, il régène. Alors, il me voit plus, il m'attaque plus. What? Salut, pote. Y'a rien, mon pote? Oui, il fera plus. Bah, allez, continue. Tu l'avais presque tué. A few moments later. Allez, troisième mort. Bon, ça sent bon pour moi. Hein. J'annonce que ça sent bon pour moi pour une fois cette vidéo. Pour une fois, j'ai peut-être gagné une vidéo. Là, je peux même me mettre dans les gradins, regarde. Allez. Ça, cette attaque-là, elle est trop, trop stylée. Quatrième mort pour Dark Maul. Ah, et bien, en plus, il régène à chaque fois la moitié de sa vie. À chaque fois, tu le tues, genre, alors que tu l'as presque tué, il est en train de régène. Sauf s'il arrive à tuer. Ah, bah, et bien, là, il va encore régène. Il faut vite que tu reviennes. Allez. Ouais, oui. Nice. Et du coup, tous les petits sont morts aussi. Nice. Du coup, ça t'a fait 5 morts. Faudra vraiment que tu le fasses. 5 morts à 0. En plus, j'ai gagné du coup un truc. Allez. Combien 5 morts? J'entends 5 morts? Alors, let's c'est go. Pas le mal, hein. Après, il reste l'entroll. Si je me sors l'entroll, je suis mort. J'aurai autant de morts que toi. Donc, en fait, j'ai pas encore gagné. Je tourne. Hein. Tu me dis si je tourne plus vite, si je tourne moins vite. Si... Dans l'autre sens. Stop. Violet. Ça sera violet. Violet, je crois que c'est pas mal. C'est le stuff diamant. J'ai les meilleurs stuffs du jeu. Et pourtant, je suis pas en train de tricher, c'est ça le pire. Après, l'arme est pas folle, c'est juste une dague en... C'est juste une dague en fer, donc c'est pas fou. En fait, là, t'as juste qu'à prier que je tombe sur le end-troll. Ouais, bah ouais, mais bon, vu ta chance... Oh putain. Bingo. Ma chance, tu disais? Non. Là, je prends taïf de fou malade. Tu comprends pourquoi j'étais en PLS ou quoi? Après, ça va rien dire, mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Attends, moi, il y avait quand même une part boss dessus. Pour bien dire, attention, c'est un boss. Pardon? Je viens de lui jeter la dague et il a rien pris. Oh, ça va, il fait pas mal, en fait. En fait, il m'enlève qu'un cœur. Tiens, je bouffe. Ah, ça lui fait pas de dégâts, ça, par contre. Oh, non! Aïe! Oh! Aïe. Il m'empoisonne, il m'a full empoisonné. Il m'a eu Wither 2. Oh. Bah alors, on est... Oh, il est en train de péter l'arène. Non, c'est toi qui l'as pété l'arène. Ah, c'est lui, hein. Oh bon. Regarde le mur derrière. Allez. Aïe. Deuxième mort. Ah mais il fait trop mal, hein. Il m'enlève la moitié de ma vie en un coup. En vrai, même si je meurs c'est pas grave, juste que j'arrive à lui mettre un maximum de coups avant de mourir en fait. Ouais mais si c'est comme le mien, et qu'il régène. Je suis à troisième mort là.
Ok, là je suis en train de bien de combo là. Mais il est mort. Ok, ouf. 3 morts. Ça va parce qu'en fait il est relativement lent à attaquer. Du coup ça, 3 morts. Ouais, 3 morts. Ok, nice. 3, 5 morts à 3. Te laisse tourner. Continue de tourner jusqu'à ce qu'il y ait la pluie. Quand il n'y a plus de pluie, tu peux tirer. Quand il n'y a plus de pluie, tu peux tirer. Et il n'y a plus de pluie, c'est le rouge. Le rouge, c'est un stuff con. Ça va, ça va, ça va. C'est pas le pire. C'est pas le pire stuff. T'as une sorte de gros marteau avec. T'as une sorte de gros marteau avec un stuff en or. Bon, c'est pas fou non plus parce que ouais, tu peux broc. En fait, ouais. Tout dépend sur quoi tu vas tomber. Et t'es tombé sur. C'est quoi ça? C'est l'évêque? C'est quoi? Ça va, c'est l'évêque. C'est à 8. T'en as 8 à faire spawn. 2. 4. Il y en a 4 normalement. Ah, mais ils font mal en fait. Ah oui, ça fait mal ça. 2, 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Normalement, j'en ai fait spawn 8, j'ai pas fait de bêtises. Bah, une mort de plus, hein. 6 morts, Marc Maul. Et en plus, pas de chance parce que tu tombes encore sur quelque chose qui vole. Aïe, 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 Dark Maul. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est bizarre, ils viennent pas t'aggro. D'habitude, genre, ça se trouve dans Vanilla, ça, dans les manoirs. Et d'habitude, ça vient vraiment aggro aussitôt. Oh, une mort de plus. Oh là là, 7 morts, Dark Maul. Parce qu'en fait, mon arme est tellement longue à faire rire. Je rigole, mais je vais prendre le dernier boss là, je vais le prendre dans la tronche, je le sens. J'ai une chance sur deux en vrai. Et bébé. Bah, 8 morts d'arme vol. Allez, utilise l'arc. Vas-y, utilise oui, son arc. J'en ai okay. Oh, vas-y, ok, nice, ok. Ok, ok, nice, continue. Non, vous pouvez. Non, non. Pourquoi t'as un cooldown sur ton arme? Ah bah, pas qu'un petit peu. Oh, 9 morts. Côté. 9 morts, 9 morts à 3. Oh bah. 9 morts à 3. Celui-là il est en mode vénère, ils sont en mode vénère. Et tu es leur pote, du coup ils sont pas contents. Ton chien aussi les vénères. 10 morts pour Dark Maul. Je vais les slimes. Yes. Ah y'en a un qui s'est barré là-bas. Eh hey, reviens toi. Oh Gilbert. Oui, il s'appelle Gilbert. Eh hey, viens ici, allez. Gilbert il a pas envie de te fight Gilbert. Je suis sympa, je t'aide parce que les slimes en vrai on s'en fout, c'est du bonus. Je fasse gaffe à pas te mettre une flèche, tu l'as eu, bien joué. 10 morts à 3, bon bah là j'ai une chance sur 2 de l'avoir. Malheureusement les stuffs là qui restent sont pas fous. J'ai une chance sur 2 d'avoir un bon mob et un bon stuff. Tout va se jouer là en fait. Alors je tourne, tu me dis par où je tourne. Si je tourne à l'envers, je tourne, tu me dis lorsque je tire, ok je vais plus vite, blablabla. Orange. Oh j'ai le stuff éclaté en cuir. Ah oui mais attends. Dans ce kit là il y a un truc beaucoup trop stylé. Il y a un truc beaucoup trop stylé dans ce kit là. C'est du trop stylé. Tu vas voir. Alors bah, ça va parce que j'ai un stuff éclaté mais par contre j'ai une hache en netherite. Et regarde ce que j'ai dans les mains dans ce kit là. Ouais, c'est un buffle. Et ça c'est trop stylé. Et voilà c'est beaucoup trop stylé. On a apprivoisé le buffle et pfiou. Regardez je suis haut. En plus, ça va, il va relativement vite en vrai. Tac, 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 tac. Maintenant, faut juste que je tire le bon mob. C'est juste ça qui va être le plus compliqué. Ça va être de tirer le bon mob. S'il te plaît. Non. Eh ben non. C'est le truc le plus dur. Et bah, let's go. Oh, c'est un boss, il y a une barre de boss. Wesh, mon ref. Alors. Mais elle me mettre. Oh! Ah, toi, dis pas la mort quoi. Pardon, il a tué mon buff. Ah, il a pas tué, il m'a fait descendre. Et mon buff, il l'attaque, regarde. Mon buff, il lui met des coups de tête. Oh, ça va, ouais, je lui fais mal. Ouais. Je lui fais mal parce que j'ai un truc en netherite. Allez, viens là, le buff. Oh, oh. Oh, ta gueule, bouge là, laisse-moi. Allez, buff. Ah, il a tué mon buff. Tu prends pas de dégâts? Je prends presque rien. Non. Ah, aïe. C'est là que je prends. Ça fait comme ça en fait. Dès qu'il fait une attaque, et là je suis bloqué. Là je suis complètement gelé. Est-ce que tu me vois gelé? Tu me vois d'une autre couleur ou pas comme gel? Ouais. Stylé. Bon, allez, il est mort. Hein. Vas-y, allez, ça dégage. C'était trop facile. Ouais, t'as tout. C'était trop simple. On avait une barre de boss, on avait flippé. En fait, c'était trop facile. Du coup, je suis toujours à 3 morts. Et du coup, bah, plus pas de suspense. On va faire le dernier pour toi. 3 morts à 10. Let's go, je te laisse. Du coup, bah, essaye quand même de viser le vert. Essaye. Je vais voir si t'es le boss. Attends. Ou pas. Allez, vise. Stop.
fin banalise en vrai, presse. Alors du coup je te laisse prendre le dernier stuff qui est stuff Mai avec un katana en diamant et je sais plus. Potion rapide. Voilà, et bah le dernier mob qui est des chiens de l'enfer. 5 chiens de l'enfer. Alors normalement ça c'est pas trop OP, donc ça devrait le faire. Normalement j'ai bien dit parce que je sais pas ce que ça vaut. Oh mais c'est un peu plus beau. Ouais, c'est des chiens quoi, Exos. Oh, ça court! Bon, en deux coups. Ça rentre, ça couvre vite, ça. C'est trop stylé l'animation quand ça court. Allez, il en reste deux. Aussi, je vais courir. Il en reste deux, il en reste un. Bien joué, voilà, c'est fini. Du coup, on va se laisser là-dessus sur 10 morts à 3. Qu'est-ce que t'as pensé du concept? Moi, j'ai trouvé ça trop cool parce que les mobs sont trop stylés. Et, ouais, c'était bien stylé. C'est pas ça parce que j'ai gagné, mais j'ai trouvé ça trop bien en fait. C'était trop bien. Bon, j'ai eu de la chance. Pour une fois, ça arrive d'avoir de la chance. C'était pas un défi de skill, plus ou moins. C'était un défi de chance. Enfin, un peu les deux, mais voilà. Et pour une fois, j'ai gagné. J'ai enfin pris ma revanche sur la vidéo Spider-Man Challenge et la vidéo que j'avais perdue aussi qui est. C'était Green Arrow Challenge, que je vous invite à aller voir, que si vous n'avez pas vu, c'est pas aussi à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, c'est très important, ça donne du soutien, surtout les commentaires, je les lis tous et je réponds à tous, donc n'hésitez vraiment pas, c'était Pook et Dark Maul et on se dit à la prochaine, ciao tout le monde, bye. À plus.